Demi, you were unstoppable tonight, and what a good fourth quarter to win. You show a good mental and character. Yeah, thank you. I mean, it was all a team effort. thank you, coach. I think we just did a good job on offense of just sticking to the game plan and running the offense. And, you know, I'm doing the things that, you know, coach and my team is telling me to do. And, you know, we're having a successful result, whether it's me finishing or other guys scoring. I think we just did a good job as a team sticking to the game plan in the fourth quarter. Dan, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans la prestation de ton équipe ce soir avec un troisième carton un peu compliqué, un quatrième de feu? Je pense que la clé aujourd'hui, je l'ai noté au tableau, hein, sans vouloir montrer que je suis un devin, mais la clé aujourd'hui, c'était de ne pas se précipiter. C'était d'être patient offensivement, en bougeant le ballon, en allant chercher l'erreur de l'adversaire, et à ce moment-là, les punir. Et ce qu'on a fait pendant le troisième quart-temps, mais aussi un peu dans l'ensemble, par intermittence en première mi-temps, c'était l'opposé. Donc c'était même bon à la mi-temps, vraiment de dire, les gars, la première chose qu'on doit faire, c'est être patient. Parce que cette défense, elle est bien en place au début, mais elle va pas être capable de défendre plus de 20 secondes contre nous. On a trop, avec l'arrivée de Nobel en plus, on a trop de qualité offensive. Donc on a déjoué. On encaisse 80 points parce qu'on perd des rebonds, parce que on n'est pas en place. Et puis surtout, on encaisse 80 points parce qu'ils marquent des paniers de contre-attaque faciles sur nos pertes de balles et sur nos mauvaises sélections de tirs. Dans le quatrième quart-temps, c'est la magie du basket, mais c'est aussi quand on commence à avoir plus d'une passe ou deux passes dans nos actions et dans nos attaques qu'on arrive à faire la différence. Et puis après, il y a le talent de Nobel que je vais pas expliquer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a fait face à une très très bonne équipe de Quimper. De ce côté, les trois derniers matchs sont parfois un petit peu inconsistants. Ils ont deux étrangers qui vont arriver, donc. Après, je pense que comme tout le monde sait qu'il n'a pas trop de pression sur sa position et qu'il n'y a pas trop de concurrence, ça les aide aussi à être relâchés. Voilà, on a réussi à faire le stunt et le gros coup quand il fallait. Et encore une fois, diable que cette ligue est comment on pourrait dire, mammoutesque. Voilà, j'ai même un nouveau français, voilà, vous pouvez mettre le dictionnaire. Mammoutesque. Comment tu as pu préparer ce match avec Vranesh et Didier Diawara, qui est peut-être un des meilleurs postes 3 de cette Pro B, et Ivan Vranesh, qui est un poste 4-5 de grande qualité. Comment le défendre sur eux? Je pense que c'est deux joueurs de grande qualité. Vranesh, je le connais très très bien parce qu'il était en Belgique avant. Forcément, Diawara également. On sait que c'est deux joueurs de grande qualité, mais on sait qu'ils doivent jouer beaucoup de minutes aussi. Et surtout, ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, à eux deux, ils ne vont pas marquer 90 points. Donc, ce qui était important de faire, c'était de défendre sur les autres. Des joueurs comme Bourris, qui sont capables, à un moment donné, de mettre 15 points ou 18 points en mettant 6-3 points sur 8. Wallé, c'est un joueur qui peut faire très très mal aussi. Là, il finit le match à 2 sur 7. Donc, pour moi, on a donné 2 tirs à 3 points à Bégarin qu'on ne devait pas lui donner. Mais la clé, c'était là pour moi. C'était pas nécessairement de stopper, parce que Diawara et Vranesh, ils sont très, très, très durs à stopper. Ils sont extrêmement, extrêmement talentueux. Donc, le plan de match, il était bien sûr sur ces joueurs-là, mais surtout que les autres ne puissent pas se mettre dans le match et qu'on n'ait pas un Ruel qui finisse avec 3-3 points aussi et ce genre de choses. Je pense que c'est ça. Et on a surtout eu qu'une seule journée pour se préparer par rapport à ce match-là. Donc, ça valait pour Quimper également. Hein, mais... Donc voilà, on est à 80 points, on finit costaud, on a balbutié un tout petit peu notre jeu et je pense que la fatigue n'était pas inhérente à cela non plus. On a voyagé, on a quand même été joué 3 fois en déplacement, on a été gagné ces matchs à Saint-Chamond, à Nantes et à Aza il y a quelques jours, donc... Voilà, on est les héros de nouveau jusqu'à minuit. Et puis demain, on va faire une grosse phase de récupération. Et puis dimanche, on viendra à la salle s'entraîner, jouer Paris lundi, tu vois, de train-train, quoi. Hein. Ce qu'on aime bien faire. Ouais, comme j'ai dit aux joueurs, dans le vestiaire, j'ai dit deux choses. La première, c'est la raison qui me pousse à faire ce métier, après avoir joué, c'est pour ces moments magiques.
ces moments magiques. Où, à un moment donné, ça se met en transe, il y a un momentum, et bon, parfois, c'est contre toi. Là, pour l'instant, c'était pour nous. Donc, Et puis, la deuxième chose qui est très, très importante de comprendre, et c'est ce que j'ai répété aux joueurs, c'est que si on veut réussir à faire quelque chose de bien ou même de très bien, c'est qu'il va falloir continuer à avoir la capacité à avoir un sens du sacrifice. Tu ne peux pas jouer à 10 ou 11 joueurs et jouer 40 minutes, 35 minutes, 30 minutes tout le monde. Tu ne peux pas donner 15 points ou 15, 20 points ou 15 tirs à chacun. Donc il y a des mecs qui doivent se sacrifier. Et aujourd'hui, c'était certain. Dans 2 jours, ce sera peut-être d'autres. Dans 1 semaine, ce sera d'autres. Et c'est la profondeur de notre effectif et ce sens du sacrifice pour atteindre l'objectif collectif qui sont les clés de la réussite. Voilà. Est-ce que tu peux parler de ce choix tactique dans le dernier quart, de laisser Benjamin, de redécaler Tim en 3 et de mettre Nobel aux côtés de... J'avais dans la tête de mettre Nobel sur le poste 4 parce que je savais que ça pouvait nous mettre un petit peu dans la souffrance défensivement parce qu'il devait tenir Wallet ou un costaud. Et puis, mais je savais qu'eux, ils seraient en problème. Je savais qu'eux, ils seraient en problème parce que Nobel, il est chiant à défendre, déjà par quelqu'un de sa taille ou quelqu'un de sa position. Et quand tu es un peu plus grand, le mec, il peut tirer, il peut driver, il a des bras tentaculaires. Donc le plan de match était aussi un peu de finir avec ça. On sait que Ben, il peut toujours allumer la mèche à un moment donné. Bon, il en met un du mieux quasiment. Donc, cette équipe, quand elle est dans un flow, dans de la fluidité, elle a des capacités incroyables. Donc, après, là où je suis vraiment aussi content, c'est que on a senti une forme de pression aussi sur notre équipe. On était à 3 victoires consécutives, on est bien classé, bon, ça commence à forcément à faire un peu de ramdam, hein, nos amis de la presse et tout. Donc on a senti un petit peu de pression, et c'est aussi ce qui nous a forcé à un moment donné à faire des mauvais choix. Par contre, on a été capable de vraiment rebondir, de revenir dans le plan de match, comme Témi l'a dit, et d'aller chercher les choses que j'avais demandé d'aller chercher. On a simplifié nos plays, mais on a demandé d'avoir beaucoup plus de mouvement dans la balle. Et c'est pour ça qu'on score autant de points. On est à 21 sur le dernier carton, dont je ne sais pas sur les 5 dernières minutes combien. Donc voilà, on n'est pas parfait, on a encore beaucoup de boulot, on n'est nulle part. On est le 2 décembre, donc on va enchaîner. Le mois de décembre est terrible encore avec tous les matchs et les déplacements, donc il faut rester très très solide. On aura une toute petite trêve. J'ai envie de dire que jusqu'au moment où on va avoir l'arrêt de l'équipe nationale, il va falloir être très très costaud. Donc voilà.